Marine Le Pen va-t-elle vraiment se rendre à l'hommage d'un résistant antifasciste, communiste, immigré, internationaliste? La chef du RN a annoncé sa venue mercredi 21 février à la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian. Mais pour plusieurs descendants de résistants proches de Manouchian, une telle présence serait profondément irrespectueuse. Georges Dufaux Epstein, le fils de Joseph Epstein, à qui un hommage sera aussi rendu au Panthéon mercredi, nous dit « Je suis fils d'immigrés tués par les nazis ». Nous rendons hommage à un immigré tué par les nazis. Quand on sait ce que pense Marine Le Pen de l'immigration, quand on connaît l'histoire de son parti, sa présence serait insupportable. Pour rappel, le Rassemblement National, ex-Front National, a été cofondé par Jean-Marie Le Pen, mais aussi des collaborationnistes, et même un membre des Waffen-SS, Pierre Bousquet. Alors, comme l'a suggéré Emmanuel Macron dans l'Humanité lundi, Marine Le Pen doit regarder son histoire en face, et faire preuve d'un minimum de décence en ne venant pas à la panthéonisation des Manouchians.